Ah non, c'est chaud, Yodi. C'est chaud. Il y aura les baptisés du Saint-Esprit ce soir. Il y aura des baptêmes. En fait, c'est vous qui êtes nouveau. Comme l'unique Éthiopien. Lui là. Tu connais l'unique Éthiopien? Et puis il rit. Sinon, vous êtes des nouveaux. Donc, moi, je comprends. On se comprend. Ils finiront par comprendre. Donne-moi la suite de l'unique Éthiopien. Déjà, qui est l'unique Éthiopien? Déjà. Mais il a porté la révélation en Éthiopie, non? Non, qui était Jésus? L'unique Éthiopien, c'est qui? Non, mais tu ne le connais pas. Ah! Je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a... un enfant d'Israël ou bien c'est un Éthiopien. Ah. Oh, mais là, tu veux contredire ma question. Je veux te faire comprendre. Et puis, tu veux me parler de l'unique Éthiopien. Oh. Que dit la Bible à son sujet? Ismaël va prier. Ouais, attends, je vais chercher à... Il a planté le réveil en Éthiopie. S'il y a le christianisme en Éthiopie, il a fait son travail. Laisse un mot chrétien, va prier. Quand tu reviens, tu as fait monter tes gars là. Attends, il a fait monter. Tes gars ont déserté le forum. Non, mais l'heure de la prière. Si tu vois qu'ils sont pas là, c'est qu'ils sont allés prier. Nous, chez nous, on est. Ok, va prier. À tout à l'heure. Franchement, ces gens-là. On dit, allez prier. Les musulmans là, allez prier. Un musulman qui prie pas, c'est pas un bon musulman. Allez prier, c'est l'heure de la prière. Allez prier. Alors. On va vous évangéliser maintenant. Écoutez les frères et sœurs. Mais il dit le monde. Amen. Il dit quand c'est l'heure de la prière, tous ils vont prier, mais en commentaire, ils sont là. Qui t'a dit? C'est un audio. Il y a un qui dit évangélisez-nous maintenant. Il y a un qui dit évangélisez. Mais sincèrement, les gars, donnez votre vie à Jésus, hein, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Jésus, il n'y a aucun autre Dieu qui existe. Non, le problème, ce n'est pas qu'ils donnent forcément leur vie à Jésus, mais il ne faut pas qu'ils soient comme des boutons, c'est tout. Malheureusement, c'est le fanatisme. Ils suivent, ils écoutent les gens, mais ils ne cherchent pas eux-mêmes à avoir la révélation. Voilà, c'est ça. Ils cherchent, non. Alors, ils disent que... Attendez. Avec tout ça, celui-là aussi, vous savez qui est le Saint-Esprit? Ils disent que c'est le prophète. Le Saint-Esprit, c'est Jean chapitre 14. Oui, mais frère, il y a aussi quelque chose qu'on doit éviter de leur dire tout le temps. Jésus-Christ péché n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas tout ça. Non. Il ne faut pas qu'on dise qu'il est Dieu. Jésus-Christ fait chair sur terre, n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Avec le titre de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est lui-même Dieu. Ah, tu me fais peur, hein? Tu me fais peur. Attention. Non. Non. Mais pourquoi, si selon toi, Jésus-Christ sur la terre n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu? Il ne faut pas qu'il y ait contradiction. Voilà, on est chrétien. On est sur moi. Laisse-moi répondre. Jésus-Christ fait chair, il n'est pas Dieu parce que s'il était Dieu, il ne va pas dire Père. Non, mais il ne fait pas ça. Il ne va jamais dire Père. Il ne va jamais prononcer le mot Père. Ulrich, s'il te plaît. Il y a des gens en bas, s'il vous plaît. Oui. On va se moquer de nous. On va se moquer de nous. Ton image sur le groupe de la DDR en disant des chrétiens sont en train de parler, ils ne se comprennent pas, ils se confondent. Les mains de Pilate. C'est bon, les gars. Il y a des scènes. Il y a remonté tout à l'heure. Avec les vidéos, là. Les gens qui prennent les captures vidéo, là, s'il te plaît. Ils vont filmer, ils vont te dire, ah, des chrétiens. Les mains de Pilate, de Dieu. J'ai pas fini ma logique. J'ai parlé de Jésus-Christ. Arrête-toi là, Iris. Iris, arrête-toi là, s'il te plaît. Moi, j'étais compris. Je sais où tu veux en venir. Mais arrête-toi là seulement. Ok, ça va. Jésus de Dieu. Faut pas faire ça, c'est pas bon. Non, si on se comprend, ça va. Alors, ok, Ulrich, je vais te poser une question. Ah, oui. Là, on a dit c'est enregistré. Là, on a dit c'est enregistré. T'as vu? Il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est enregistré. Je vais te poser une question. Selon toi, oui. Oui. En tant que chrétien, oui. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, oui. La question que je te pose, on doit baptiser au nom du Père, du Fils oui. et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Non, on doit baptiser au nom des trois. Merci, j'ai ma réponse. Donc, j'ai plus rien à dire. Mais alors, il y a des personnes qui baptisent au nom de Jésus, tout simplement. Oh, il y a ces personnes qui sont dans la confusion aussi, qui refusent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il dit on baptise au nom de Jésus. Mais lui-même, Jésus a dit on baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Que cette personne croit ou pas, on doit baptiser au nom de la Trinité. Ça, c'est un fait. Il n'y avait pas à discuter. Alors, moi, j'ai une question là. C'est une question qui me chagrine aussi. D'où provient ce fanatisme branhamiste, témoin de Jéhovah, tout ça? Parce que nous, on est dans la vérité. Ce qu'on appelle église de réveil, on connaît le pourquoi nous sommes dans l'église de réveil. Bon, je ne sais pas, Ulrich, tu es dans quel côté, mais pourquoi branhamiste? Pourquoi témoin de Jéhovah? Pourquoi toutes ces choses-là? C'est vrai, hein, on parle de notre Jésus. C'est comme on peut dire aussi Mahomet, tout ça, Mohamed, mais parfois les autres aussi sont dans le faux. Voilà, c'est comme chez nous aussi. D'où vient Branham et tout ça? Parce qu'on dit ils croient en Jésus-Christ, mais il y a trop de représentations, photos par-ci, photos par-là, hein, chez eux-mêmes, dans leur maison. Voilà. Oui. Ah, le gars qui est venu, donc j'arrête, pardon. Bon, c'est pas grave. Mais... ils vont en profiter aussi. Non, tout ça, donc, non, tout ça à cause de l'humain. C'est l'humain, c'est tout. Ouais. L'humain, c'est tout. Mais les témoins de Jéhovah, ils croient en Jésus-Christ. Attendez ça, on va aller faire ça sur mon live à moi. Voilà, ici c'est un live musulman. On va aller faire ça sur mon live à moi, comme ça il n'y aura pas d'enregistrement. Pas ici là. De toutes les façons, on fait ça, tout, vous voulez même faire ça ici. Il n'y a pas un musulman qui vous calcule. Qui t'a dit ça? Ils ont réussi déjà. Ils ont déjà réussi. On est vendu. Il y a un musulman qui sera touché par vos propos. Même pas. Oh, sinon, on va dans vos lives. Ah bon, hein. Bah bon, hein. On convertit beaucoup, même beaucoup de chrétiens. Alors, voici, en fait, moi je confesse ma foi. J'ai pas la même foi que Ulrich, même peut-être que le frère Abraham. Mais chacun se dit chrétien, d'accord? Voilà. Ouais. Voici ce que en qui je crois. Moi, c'est pas dit que vous n'avez pas la même foi. Attends, je t'explique. Chacun sa vision, chacun sa perception de beaucoup. Non, okay. tu vois la différence. Tu vois la différence entre nous les chrétiens. On a l'ouverture d'esprit. On a l'ouverture. Oui, on a l'ouverture d'esprit. On ne prend pas. On ne prend pas. Ah, si, vous. Excuse-moi, c'est un peu. C'est un peu cadenassé là. Bah, non, Ismaël, une question. Ismaël, une question. Hein? Tu peux me dire tous les mots. Mot pour mot, tout ce qu'il y a dans le Coran est juste. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui te chagrine ou tu dis il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a des choses que peut-être je lis, je ne connais pas. Sinon, il y a tout est clair chez moi. Non, c'est pas que je dis, c'est pas question de clair. Que tu ne partages pas. Comment? Je partage tout ce qu'il y a dans le Coran. Il n'y a même pas quelque chose qui... Voilà, donc vous êtes vraiment cadenassé. Allez, on passe à autre chose. Aide-toi, c'est tout ce que tu lis dans la Bible, là, tu crois à ça. Mais je n'accepte pas tout. Je n'accepte pas tout. Eh oui. Oui. Bon, Ismaël, dans 15 minutes, je descends parce que je vais dormir. Ah, ok, tu as ta chance. Mais je travaille, je suis en chômage. Oui, Ismaël, je vais répondre à ta question. Dis-moi, c'est quelle partie de la Bible que toi qui t'arrange pas? C'est quoi? C'est quoi tu lis et puis ça te plaît pas là? C'est quoi? Non, on va pas rentrer dans ces détails là. Je vais répondre à ta question. Abraham, je suis d'esquio. Abraham, il y a des choses. Moi, je crois en toute la Bible. Moi, je crois en mon Jésus-Christ. Je crois en toute la Bible. Genèse, Apocalypse. C'est ça qui m'a changé. C'est quel modèle ça là? Ton frère, lui, c'est quel genre de chrétien? Non, mais ça dépend de sa conception, sa vision, tout ça. Mais ça dépend. Il y a des personnes aujourd'hui. Peut-être que nous aussi on ne voit pas. Peut-être que toi aussi tu ne vois pas. Si tu as bien expliqué, tu peux devenir, tu peux le suivre. Mais c'est bizarre. C'est pas bizarre. Ça va petit à petit. Le changement vient au fur et à mesure. La parole de Dieu, là, Dieu dit. La parole de Dieu, c'est pas à discuter. Soit tu prends, mais tu laisses. Comment tu peux dire que non, toi, tu es chrétien, mais tu ne crois pas une partie. Donc, c'est que nous, les musulmans, on a raison de prendre une partie puis de laisser une autre partie. Ben, bien sûr. Riche, on a raison. Bien sûr. Vous avez vos raisons qui ne sont pas les miennes. Vous avez vos raisons qui ne sont pas les miennes. Non, mais de toute façon, si toi, tu as une raison qui t'a poussé à laisser, après, de la même manière, il y a plein de trucs dans ton livre saint que je ne partage pas. Voilà. Moi, mon livre là, tu ne connais pas. Moi, mon livre là, tu ne connais pas. Il n'y a pas un parmi vous là qui connaît le Coran. Non. Vous ne connaissez pas le Coran. Bien sûr. Laisse tomber. Attendez, je vais aussi parler un peu là. Il y a le frère Ulrich qui a été Elvis. Alors, Elvis, j'ai posé la question tout à l'heure au frère Ulrich et le frère Abraham l'a rejoint par rapport à l'emblème baptismal que Jésus a donné dans Matthieu chapitre 28, après verset 18 à 20. Et j'ai dit ceci. Est-ce qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Et le frère Ulrich a répondu, on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce que Abraham a été d'accord avec Ulrich. C'est ça ou pas? Mm-hmm. Donc selon toi, Elvis, on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Non, mais Jésus l'a si bien dit, c'est aussi simple que ça. Au nom du Père, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le baptême. Et c'est vrai qu'on va peut-être aller dans le Nouveau Testament où on retrouve au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question qu'on devrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi Jésus demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok, merci, j'ai ma réponse. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir. Toi. Mais toi, ce soir, tu as beaucoup de réponses. Ismaël. Non, moi, je ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ismaël, tu voulais donner un verset. Attendez. Là, du coup, je suis avec vous. Moi, je sais de quoi vous parlez. Donc, toi, tu baptises au nom de Jésus. Les autres, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du coup, c'est pas le même baptême? Non. Non, c'est ce que Jésus a dit. Attendez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là, n'est-il pas Jésus? On suit le baptême de Jésus. Il nous a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, mais lui-même, c'est pas lui qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, lui, il est le Fils. Le Père, c'est le Père. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ah, voilà, ben, mais oh. Ah. J'ai une question pour les gens. Voilà. Mais je n'ai pas dit que normalement, on doit organiser un live où c'est les chrétiens seulement qui vont débattre un peu. Voilà. Attends. Nous, les musulmans, on a assis. Non, mais. On réussit. Abraham, tu viens de me franchement, nous, les musulmans, on a ce soir peinard, vu quoi. Tu vois, non? On vous regarde, vous discutez entre vous. Mais pourquoi? Non, mais c'est grave. Non, le baptême, c'est le moyen du salut. Tu vois que c'est intéressant. Elvis, quand même, le baptême, c'est le moyen du salut. C'est pas n'importe quoi. Le baptême. Ouais, le baptême, bah oui. Déjà, attends, je vais poser cette question-là. Moi, en fait, ce live, c'est intéressant. Téma. Du coup, on t'a pas fait activer ta caméra. C'est pas équitable. Faut activer ta caméra. Alors, voici notre question. Vous êtes d'accord avec moi quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, on n'a pas. Bon, on n'a pas changé de thème. Mais on arrive. Maintenant, si on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc aussi. On doit aussi chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui ou non? Pareil. Wow. On peut chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pareil. On chasse les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attends, moi, je ne vous comprends pas. Ouais. Non, vous, votre affaire là, c'est solide même. Non. Attends, moi, je ne comprends pas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour moi, j'ai cru que vous pensiez que vous étiez tous unanimes que c'était Jésus. Non. Les trois ou qui a dit que c'était Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Qui a dit ça? Qui a dit? Lui là. En fait, le problème des musulmans. Qui a dit ça? Non. Grande famille qui dit ça. Non. Ils ont trois rôles distincts. Apparemment, ils sont trois. C'est une trinité qui forme un. Apparemment, les trois ont le même avis. C'est ce que je vois. Hein. Je constate que Ulrich, Elvis et Abraham ont la même conception du christianisme qui est très différente de pour toi. C'est ce que je vois. Ouais. Donc c'est nous les musulmans. C'est si nous vous groupez quoi. Vous mettez ensemble. Vous aussi vous avez votre part de discorde. Vous aussi vous avez votre part de discorde. Tu vas pas me dire le contraire. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de branches de musulmans. Je dis pas non. Mais il n'y a pas un musulman sur la terre qui dit que Allah n'est pas son créateur et que Muhammad n'est pas son messager. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu as trouvé un point, envoyé. Non. Ça, c'est pas un point de discorde. Ça n'existe pas. Chez nous, là, Allah, il n'y a pas un musulman qui a dit que son Dieu s'appelle Jésus. Oh, le gifle. Tous les musulmans disent, notre Seigneur, c'est Allah. Notre prophète, c'est Muhammad. Maintenant, on peut diverger sur certains points. On peut diverger. Alors, ça, c'est pas un point de discorde. Non, c'est pas un point de discorde. Écoute, la base de l'islam, tu sais, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est la base. Le cœur de l'islam, c'est ça. C'est pas. C'est Allah. T'as appelé abolition ici, t'as appelé abolition comme ça. Non, c'est pas ça que le cœur. Le cœur même là. Le cœur, c'est Allah. C'est ça. Hein? Alors, pour vous là, le cœur, c'est Jésus, mais regarde comment vous divergez dessus. Allah, il dit voilà pourquoi Allah dit dans le Coran. Les chrétiens, on ne diverge pas. Tu as dit que le cœur, c'est Jésus. La haine jusqu'au jour de la résurrection. Vous n'allez jamais vous entendre. Attends, non, peut-être on se comprend pas. Vous aussi, vous ne vous entendez pas. Comprenez, voilà, les gens vous regardent, comprenez-vous. Vous avez tout le temps, comprenez-vous, on vous écoute. Vous aussi, vous ne vous entendez pas. Ulrich, quand toi tu dis la Trinité, c'est toi, pour toi, c'est qui le Fils? Le Fils, c'est qui? La Trinité, le Fils, c'est le Christ. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le souffle de vie. Le frère DDR, je ne pense pas que lorsque tu dis que trois chrétiens, on a un désaccord. Non, 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 non. Parce que si on prend l'islam, ok, vous avez beaucoup. Pardon. Laisse-moi dans ta vie. Non, pour une fois dans ta vie, laisse-le finir. Pour une fois dans ta vie, oublie-nous, pardon. Non. Vraiment, on dit que vous êtes en désaccord. Si on prend l'islam, ok. Bon, c'est pas un désaccord. Comment on va t'oublier? Vous avez des hadiths. Attends. Vous avez des hadiths qui prouvent par A plus B. Je n'ai pas dit c'est cela. Déjà que vous êtes, il y a deux courants là-bas, chez les musulmans, non? Tu le sais, non? Deux courants. J'ai dit deux courants de pensée. Je n'ai pas parlé de courants de pensée. Alors, il y a des hadiths qui montrent par A plus B la question qui a été posée par un frère Isla que le prophète est sorti avec une jeune fille de 6 ans. Le prophète est allé à la mosquée avec le sperme. De 9 ans. Il y en a beaucoup. Si tu veux, je te sors. On a compris. D'accord. J'ai compris. Si tu veux, je te sors. Non, c'est pas la peine. J'ai compris. Pour l'instant, faut régler ton... Non, moi, je n'ai rien à régler. Je n'ai pas le les chrétiens. Bon, pas toi. Si tu n'as rien à régler, au moins, laisse. Je dis pour l'instant, aujourd'hui, pour une fois de plus, les musulmans vous demandent de les oublier pendant quelques secondes. Et puis après, on revient. Oubliez-nous au moins. Parlez de... Mais qu'est-ce qu'on va se dire? Mais qu'est-ce qu'on va se dire? Tu sais le... Non. Grande famille connaît la vérité. Après, dans la vérité. Ça fait de 9 ans, 10 ans, 6 ans là. Après, on va revenir dessus. Pour l'instant, grande famille. Écoute, Ismaël. Pourquoi tu fuis? Grande famille connaît. Grande famille connaît que. Comment organiser le live? Je fuis pas. Grande famille est chrétienne. Grande famille est chrétienne ou pas? Il sait que le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit et le Père est le Père. Mais il joue les trois rôles. C'est tout. C'est faible. Votre son, c'est faible. Oh. Ah, on t'entend faiblement, oui. Mettez le volume par hasard. Là, tu m'entends bien, là? Ismaël, revenons sur le sujet. Ton sujet. On va y revenir. On va écouter le monsieur. Non, c'est mieux qu'on revienne sur ton sujet, Ismaël. Non, attendez, il va parler au moins. Depuis là, il ne parle pas, en fait. Attends, mon frère, je peux lui répondre. Hein. Il n'y a aucun problème sur l'histoire de Aïcha. Il n'y a pas de problème. Je peux lui répondre avec des preuves. On peut répondre à ça rapidement, il n'y a pas de problème. Que Aïcha, elle n'avait pas 9 ans, mais elle avait 19 ans. J'en ai les preuves. Première chose, dans le livre des narrateurs, il est dit que Abou Bakr al-Siddiq, en période pré-islamique, c'est-à-dire avant la révélation, il avait 4 enfants. Parmi les 4 enfants, Aïcha, elle est dedans. Donc c'est impossible que 2 ans après la Hijra, elle avait 6 ans. Ça, c'est pas possible parce qu'elle était déjà née avant 610. Et la Hijra, 620. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il est dit aussi dans le livre du générateur que Abou Bakr, en période, c'est-à-dire au moment où il venait d'embrasser l'islam, il avait déjà promis à Aïcha radiallahu anha en mariage à le fils d'un politique. Et quand il a fait son voyage en Abyssinie, il a été à la rencontre de cet homme-là et lui a dit il faut conclure le mariage avec Aïcha. Sauf que le polythéiste a refusé de donner son fils en mariage à Aïcha parce que justement, Abou Bakr Siddiq venait d'embrasser l'islam. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut savoir aussi que dans le Kitab al-Bukhari, le même Bukhari, parce que c'est le seul hadith qui cite Aïcha 6 ans, 9 ans, il est dans Bukhari. Et dans le même Bukhari, il y a dans Kitab al-Tafsir, il parle de quoi? Il parle de la révélation de Surat al-Qamar, la Surat de la Lune, qui est la Surat 54. Surat al-Qamar, elle a été révélée entre 612 et 614. Et Aïcha, dans ce hadith de Bukhari, elle dit avoir témoigné de la révélation de Surat al-Qamar. Si Aïcha dit en étant consciente, ça veut dire qu'il faut pouvoir parler et dire ça, il faut avoir un âge de conscience, de savoir ce qui se passe au milieu de soi. C'est-à-dire qu'elle avait un minimum de 5 ans. On va donner un exemple de 5 ans. Si elle avait 5 ans en 612 ou 614, et sachant qu'en 622, elle devait avoir soi-disant 6 ans, c'est impossible. Ça, c'est encore une chose. Maintenant, une dernière chose qu'il faut savoir aussi, dans le Tirmidhi, il est dit que le peuple de Quraysh se considère comme un peuple diletté, que le peuple de Quraysh estime que aujourd'hui et demain, c'est la même chose. Ils n'ont pas de structure, il n'y a pas de structure de lundi, mardi, etc. Et que le seul gens qui savaient lire et écrire étaient les notaires, les grands marchands. Ils étaient une poignée d'hommes chez les Quraysh. Ce sont les gens qui voyageaient au Cham, etc. pour leur commerce, leur business. Eux suivaient un calendrier qui était le calendrier du Cham ou le calendrier de... En fait, des conjonctures, c'est-à-dire du Cham, etc. Donc eux se basaient sur ce calendrier et donc il n'y avait pas de calendrier chez les musulmans à ce moment-là. Chez les Quraysh, il n'y avait pas de calendrier. Le Quraysh, comment ils fonctionnaient? Ils fonctionnaient en fonction des événements. La preuve de ça, c'est quoi? C'est qu'on se base sur quoi pour définir la naissance de Rasulullah alayhi salatu wa sallam ou l'âge de Rasulullah alayhi salatu wa sallam? On se base sur un événement qui s'est passé, c'est l'événement de l'fil, Surat al-Fil, l'année de l'fil, l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, on sait que Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il est né dans cette année-là. C'est comme ça qu'on arrive à déduire que Rasulullah avait autant d'années à tel moment, en se basant sur cet événement-là. Maintenant, Aïcha radiallahu anha, ce hadith qui dit qu'elle avait 6 ans, 9 ans, il est mal compris. Parce que Aïcha radiallahu anha, sachant que chez les musulmans, nous ne donnons pas d'importance à la date de naissance ou à la naissance, et ne fêtons pas les naissances, déjà de 1. Ça, c'est une chose. Et que Aïcha radiallahu anha était une très très bonne musulmane, une femme très très pieuse, qui ne fêtait pas de naissance et qui ne donnait pas d'importance aux naissances. Par contre, ce qu'elle donnait d'importance, c'est aux événements. Et Aïcha radiallahu anha se base sur l'événement de quoi? De l'Hijra, qui est l'an 0 pour les musulmans. Comme chez vous, les chrétiens, vous avez l'an 0, c'est la date de naissance de Jésus, d'après vous. Maintenant, nous, l'an 0 chez les musulmans débute à partir de la Hijra, la migration qui se passe quand? En 622. Donc Aïcha, quand elle dit « j'avais 6 ans au moment de me marier avec Rasulullah et j'avais 9 ans au moment de consommer mon mariage », elle se base sur quelle date? Sur la date de l'Hijra, c'est-à-dire l'an 0 plus 6, l'an 0 plus 9. C'est comme ça qu'Aïcha parle, elle ne se base pas sur la date de sa naissance, puisqu'elle ne donne pas d'importance de 1 à la naissance, et puisque de 2, nous musulmans, nous ne fêtons pas les naissances. Ok. Voilà. Donc, une dernière chose, mon frère Aka, il faut savoir que les musulmans ont décidé d'un calendrier 8 ans après la Hijra, c'est-à-dire en 630, à ce moment-là, les musulmans ont décidé qu'il fallait avoir un calendrier islamique. Et donc avant ça, il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas de jour, et que les seules choses sur lesquelles se basaient les musulmans pour donner une date, c'était des événements. Surat al-Fil, un événement, l'année de Fil, et la Hijra, ce sont deux événements. Et c'est sur ça que se base Aïcha pour dire j'avais 6 ans et j'avais 9 ans. Maintenant, ceux qui disent Aïcha joue avec une poupée au moment où elle est venue la femme, il faut savoir que la poupée en question, c'est un cheval, un Pégase avec des ailes que Aïcha radiallahu anha a fait de ses propres mains. Donc, comment vous voulez qu'une fillette de 6 ans sculpte un cheval avec des ailes à cet âge-là? Et regardez la conversation qu'elle a avec Rasulullah alayhi salatu wa sallam au moment où il rentre, il voit ce cheval avec des ailes. Qu'est-ce qu'il dit à Aïcha? Ya Aïcha, les chevaux n'ont pas d'ailes. Elle lui répond avec sagesse, elle lui dit ouais, mais tel prophète, il avait un cheval avec des ailes. Ça, c'est pas la conversation avec un enfant de 6 ans. C'est la conversation avec une femme qui connaît sa religion, qui connaît l'histoire de sa religion. Ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est pas une excuse. Un enfant de 6 ans peut être intelligent. Un enfant de 9 ans peut être très, très intelligent et ouvert d'esprit. Parce qu'il est un cheval et va répondre avec une référence islamique. Non, je suis désolé, mon frère. Monsieur Téma, allons-y, allons-y. En plus de tous les arguments que je viens de te donner. Comme c'est ça, on se base sur des événements. Mais la forme de parole. Non, t'as pas bien. Oui, Téma. Après, mon frère Aka, je termine juste ça. Après, il faut savoir une chose, c'est que tous les ulama ne sont pas d'accord sur ce sujet. Vous dites, il y a une divergence sur l'âge de Aïcha, radhiyallahu anha. Certains ulama disent qu'elle avait 19 ans et d'autres disent qu'elle avait 19 ans. Ça, on le sait tous. Voilà, on a beaucoup d'arguments encore à donner sur l'âge d'Aïcha. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Vas-y, Aka, vas-y, je t'en prie. Ne venez pas faire du live un sujet dont vous voulez. Non, c'est moi mon sujet sur lequel on traite ici dans ce live. Vous avez parlé. En fait, ne faites pas une fuite en avant. Nous, les musulmans, on est conscients et on assume nos textes. Et on assume nos divergences, nous. Nous, on n'est pas des lâches, nous. Je vous dis nous aussi, on n'est pas des lâches. Je pas dit vous, je vous parle pas de vous. Ah, mais faut juste assumer que le prophète était pédophile, c'est tout. Bon, j'ai retiré la petite partie là, si vous vous êtes senti, voilà, indexé. Donc, je vais dire que nous, on assume nos divergences. Nous, on assume nos textes. Nous, on ne fait pas du deux poids, deux mesures, non. Mais nous, on sait très bien et on vous défie de nous montrer, de nous produire un musulman qui ne croit pas que Allah est son créateur et que Muhammad est son messager. Emmenez-nous ce musulman-là. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis d'accord. Par contre, ça, c'est le cœur. Je vous dis que ça, c'est le cœur de l'islam. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut devenir musulman, c'est ça qu'on lui fait réciter. Ça, c'est le poumon même, on va dire. Ça, c'est la première étape à franchir pour être musulman. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, pour vous, vous parlez d'un thème qui fait de vous des chrétiens aussi. Le cœur du christianisme, qui est quoi? Qui est le baptême. Ça, là, c'est pas n'importe quel sujet. Le baptême, ça dit que celui qui ne se fait pas baptiser, là, ne sera pas sauvé, selon Jésus. Selon Marc 15, 16. Donc, du coup, s'il y a divergence entre vous, ce qui veut dire que parmi vous, là, il y a un groupe qui dit la vérité, qui a bien baptisé les gens, qui vont aller au paradis, et il y a d'autres qui ont mal baptisé les gens, qui vont aller en enfer. Donc, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Vous trois, vous dites qu'on baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous, c'est ça qui sauve. Le frère, grande famille, lui dit non. Eux, ils baptisent les gens au nom de Jésus. Ce qui veut dire que de vous deux, là... Attends, j'ai fini ma dernière phrase et puis je parle plus. Fini. De vous deux, il y a un qui baptise bien et qui sauve les gens, et il y a un qui baptise mal, qui envoie les gens en enfer. Ok, moi je vais continuer. Je ne peux pas l'interpréter comme ça. Ulrich, Tama, oui, attendez, vous ouvrez les portes, il ne faut pas les fermer quand vous n'arrivez plus à assumer. Il n'y a pas de problème. Reste à bord là. Je te pose une question. Il n'y a pas de divergence, c'est nous. Je te pose une question. Al-Bukhari, est-ce qu'il est chrétien? Al-Bukhari, première chose, il faut savoir une chose. Il est chrétien, oui ou non? Non, est-ce qu'il est chrétien? Non, mais attends, Elvis. Honnêtement, Elvis, attendez. Honnêtement, attendez, Elvis. D'abord, il n'a pas ouvert des portes. Il a répondu. Il n'a pas ouvert des portes. Il a répondu à votre affirmation sur l'âge de Aïcha. Point bas, on passe à autre chose. Moi, j'ai le contraire de ça. C'est qui ne tient pas la route. J'ai le contraire de ça. Je prouve ça par A plus B. Allons, Tama, prends-moi la. Allons, prends tes adifs. Allons, les adifs. T'es musulman, non? Allons. Attends, doucement. Frère, tu veux... Adif 229. Prends Adif 229. Adif 229. Tama, prends Adif 229. Tu peux me dire ça. Adif 229, c'est pas une référence. C'est pas comme ça on donne une référence d'Adif. Avant de commencer à parler de mon frère, avant de commencer à parler de mon frère, la référence. Il faut te calmer. Je vais te donner une information que tu ne connais pas sur Bukhari. Attends, je te donne la référence. Tu as déjà parlé, mon frère. Tu as déjà parlé, c'est bon. Non, tu n'as pas la référence. Mais Elvis, tu trouvais calme tout à l'heure, là. Avant les lives, tu étais plus serein que ça, non? Non, mais parce que lui, quand tu parles, il aime couper les gens la parole. S'il vous plaît, vous ne connaissez même pas l'islam, vous posez des questions sur l'islam. Moi, je vais te répondre, c'est qui Bukhari. Bukhari, il n'a pas parlé du christianisme. Est-ce que lui, depuis il est venu, il a parlé du christianisme? Aka, écoute, s'il te plaît. Bukhari, la collection Bukhari que les gens connaissent aujourd'hui, il faut savoir que c'est des gens qui ont travaillé sur le rassemblement de ce recueil que vous connaissez aujourd'hui. Il faut savoir que le travail qui a été fait pour rassembler le recueil de Bukhari qui est connu aujourd'hui, il a été fait 205 ans après la mort de Bukhari. Et donc la collection que vous connaissez aujourd'hui n'est pas la collection authentique de Bukhari comme ils l'ont retrouvée au départ quand ils ont commencé le rassemblement. Et que pendant leurs travaux, pendant le rassemblement de Bukhari, il y a eu des divergences d'opinion par rapport aux gens qui travaillent sur le sujet. C'est-à-dire que certains disaient ça c'est Bukhari, d'autres disaient non c'est pas Bukhari. Donc déjà si vous questionnez sur des hadiths de Bukhari, moi je vais vous répondre clairement. Tout ce qui va en contradiction avec le Coran, même si c'est Bukhari qui le dit, sachant que Bukhari, je vous dis, c'est pas son livre, il est mort 205 ans avant, ce livre sera rassemblé, même s'il le dit, s'il est en contradiction avec le Coran, je le prends pas. Parce que moi je me base avant tout sur le Coran. Je me base avant tout sur le Coran. Monsieur Téma, écoute, s'il te plaît, écoute, le Coran, il n'y a pas de défaut. Pour nous les musulmans, le Coran, c'est la chose qu'on ne peut pas douter. Maintenant, par rapport aux hadiths, il y a des hadiths sahih, estimés daïf, estimés mutawattir, estimés mutawadi, etc., etc. Mais qui a fait ces estimations? Malgré tout, ce sont des hommes. Donc nous ne pouvons pas être sûrs à 100 milliards de pourcents que ce hadith il est authentique. Par contre, qui est authentique, mon frère, c'est le Coran. Point. Ok, super, super. Alors, moi je peux aussi parler. Alors, déjà, tu parles bien, hein? Tu parles bien. Nous sommes en science, ok? Lorsque tu parles, c'est bien. Donne-nous le support. Moi, je le support. Je m'en fous. Je veux le support. Tu racontes des histoires, Aïcha, patati, c'est bien. Sans-nous le support, la référence. On va lire tout ce que tu me dis là. Moi, j'ai la référence. Non, j'ai la référence, ok? Que tu crois, parce que Al-Bukhari, c'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas te lever. Laisse-moi terminer. Tu as parlé, je t'ai pas coupé. Al-Bukhari, c'est pas n'importe qui. Al-Bukhari, c'est pas un chrétien. Il n'est pas baptisé chez lui. Donc, quand tu parles, quand Al-Bukhari parle, les musulmans confessent quand même que ça, c'est quand même Al-Bukhari. Donc, les hadiths, je te donne la référence. Soit Aïcha là, ok? Moi, je te donne la référence. Qu'elle soit fausse ou vraie, c'est pas mon problème. Frère, ça sert à rien de donner la référence parce qu'on a le livre déjà ici. Écoute, on a déjà le livre ici. Écoute-moi. Lui là, il a dit d'oreille quand même. Écoute, frère, on ne discute pas que c'est pas écrit. Il n'a pas dit que c'est pas écrit. Il faut écouter ce qu'il dit. Il t'a pas dit que c'est pas écrit. Ouais, mais attends, tu peux donner la référence, c'est pas de souci, mais il t'a pas dit que ce que tu dis n'est pas écrit. Il n'a pas dit ça. Il dit oui, c'est écrit. Mais le même recueil qui a écrit, attends, ouais, le même recueil de hadith qui a écrit que Aïcha avait 9 ans, donne encore d'autres arguments qui démontrent que Aïcha n'avait pas 9 ans. C'est ce qui t'a donné. Par rapport à la Hijra. Je n'ai pas la DDR. Je n'en discute même pas. Téma, attends. Toi, tu veux juste donner la référence. Vas-y, donne la référence. Non. Son discours, je n'en discute même pas. Le problème, c'est qu'il a parlé du début jusqu'à la fin sans sortir une preuve palpable. Comme tu as le il a cité des références. Il a cité des références. Ok. Alors, Bukhari, Aïcha, quand tu parles, okay, moi également j'ai des références concernant Aïcha, donc moi je donne, qu'il va lire. Vas-y, vas-y, donne. Alors, Saïd Al-Bukhari, volume 1, livre numéro 4, numéro 229. Donc il pourra lire s'il veut. On a compris. Deuxième référence. Saïd Al-Bukhari, volume 1, livre numéro 4, numéro 229. On peut aller également au numéro 231 et 232. D'accord, on a compris. Je vais simplement lire le numéro 229. Le reste, ceux qui veulent lire. Alors, rapporté par Aïcha, j'avais l'habitude de laver les terrasses des janada, c'est-à-dire les spermes, les vêtements du prophète, et il avait l'habitude d'aller à la prière, tandis que des traces de sperme étaient encore sur lui. Non, de l'eau. Moi, j'ai pas moi qui ai écrit. Ismaël, je reviens, je fais un tour. Arrête là. C'est-à-dire qu'elle a essuyé avec de l'eau, et l'eau avec laquelle elle a essuyé. Prends pas seulement ce qui t'arrange. Ismaël, je prends un tour. Attendez, doucement, voilà. Elvis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une chose dont moi j'ai horreur, c'est quand on fait semblant de ne pas écouter, de ne pas me comprendre. J'ai horreur de ça. Je t'ai dit que nous, on assume nos textes. Maintenant, si toi, tu trouves un problème au texte, là, quand tu lis, là, tu nous donnes le problème du texte. C'est quoi le problème que tu as lu dans le texte? C'est quoi? Vous dissociez les hadiths de vos textes. Oui, maintenant, quand tu as lu, là, quel est le problème? Quel est le problème? C'est quoi qui te dérange dedans? Bon, les hadiths, celui que je viens de dire, là. C'est ce que je viens de dire. On dit noir sur blanc ici que le prophète Aïcha lavait le sperme, elle retrouvait le sperme, sur les habits du prophète quand il allait à la mosquée. C'est ce qui est écrit là. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est un homme, hein? Sa femme comme tous les hommes. Donc un homme n'a pas de sperme, c'est sa femme. Maintenant, c'est quoi le problème dedans quand il lit? C'est quoi le problème? Tu veux que je dise la suite? Non, mais c'est pas le sport dont tu parles. Il parle, Aïcha fait rapport ici. Téma, si tu parles, je parle, on va pas s'entendre. Monsieur Téma. Parce que la puce est nature. Eh, les gars. Non, parle. Téma, mets ton micro, s'il te plaît. Mets ton micro. Laisse te parler. Oui, toi, Téma. Allô? Le micro, voilà. Vas-y, Elvis, parle. C'est quoi le problème dans le texte? Alors, moi, j'ai pris la référence là, ok? Parce que quand Téma nous parle des histoires, machin, c'est très bien. Mais voilà, redonne la référence. Il montre la référence. Oui, je dis à Saïd Bukhari, volume 1, numéro 4. Saïd Bukhari, tu parles. Page combien? Numéro 4, la page, c'est, je crois, 229. Tu peux lire? Non, vas-y, parle pendant que je trouve, parle. Voilà, donc si je prends simplement cette partie-là, Aïcha nous explique que le prophète, n'est-ce pas, faisait l'amour, du moins, il avait des relations, il entraînait des relations, voilà. En même temps, il allait à la mosquée, un peu plus bas l'esprit, encore sans détail. Donc, j'ai pris simplement ce petit paragraphe-là pour dire au Téma que il est en train d'innocenter Aïcha, il est en train de faire comprendre qu'Aïcha était, voilà, le prophète est un peu saint, etc. Mais quand on sort qu'on appelle ça, la pensée d'Abou Bakr, le gars me raconte des histoires, non, mais Abou Bakr n'était pas, c'est pas un Coran, il n'est pas ancré dans le Coran, etc. Mais il y a beaucoup de failles, je peux lire la suite où on parle même, où il y a un témoignage qui dit que le prophète, bon, je n'ai pas envie de parler de ça, mais ceux qui veulent les références, vous-même allez-y lire, parce que ce que j'ai lu là, c'est quand même un peu bizarre sous mes yeux. J'ai pas envie de scandaliser un grand homme, c'est pas ça mon but. Frère, voilà. Écoute-moi bien. Maintenant, si tu peux lire, hein. Je te donne. Non, attends. Moi, j'aime pas. Il te dit bien, là où tu vas, c'est pas bon. Faut pas arrêter de. Franchement, c'est ça qui n'est pas bon. Je t'ai dit bien, le texte que tu as lu, on dit Aïcha lavait les habits de son mari, sur lequel il avait du sperme. C'est quoi le problème? On n'a pas dit son mari, hein. Ah donc c'était pas son mari? Non. On dit pas ici son mari, hein. Oui, mais est-ce que le prophète était son mari ou pas? Le texte, moi je suis mesure ici, c'est pas écrit mari. Je te dis c'est que je suis mesure, non? Oui, mais est-ce que le prophète Muhammad n'était pas le mari d'Aïcha? Tu peux lire, non? Lis. Le texte, ouais. Je t'ai donné le texte. Non, mais il te demande, dans la vie de tous les jours, c'était son mari, oui. Oui. Maintenant, ouais, le problème qu'une femme lave les vêtements de son mari sur lequel il y a du sperme. C'est quoi le problème? On veut savoir. Attends, je te dis la suite. J'ai demandé à Aïcha sur les vêtements souillés de sperme. Attendez, je cherche ta référence là, mais je ne le trouve pas. Hein. Tu as dit Bukhari, volume 1. C'est ça? Attends, je te donne pas. Oui. Saïda Bukhari, volume. Je te dis ça comme c'est là. Saïda Bukhari, volume 1. Livre 4, numéro. Attends, doucement. Volume 1, ok. Oui. J'ai le volume 1 ici. Livre 4. Livre 4. D'après ce que j'ai ici. Ouais. Oui. Page... Je veux le numéro de la page. Là, je veux le numéro 229. D'après le numéro sur la page, c'est le livre 4. 229. Wow. Numéro 229. Attends, je montre aux gens. Les péchés ont été pardonnés. Les gens vont voir. Si je me trompe, peut-être. Voilà. Nombre 14. C'est ça, numéro 229. 229, c'est ça? Oui, 229. 229. C'est ça, non? Voilà. Tome 4, oui. C'est ça? Ok. 229. Voilà, on a au 229. Oui. Voilà, maintenant, c'est quel hadith, le numéro? Je dis numéro... Attends, je remonte. Livre 4, numéro 229. Ça, il a ça, 229. 229, c'est la page, non? Page 229, non? Moi, je te donne ce que je suis mesure. Hein. Saïd Bukhari, volume 1, livre 4, numéro 229. Volume 1, livre 4? Oui. Ah. Bon, on va laisser ça là. Voilà tombe 1 ici, voilà tombe... Je ne comprends rien. 229, voilà 229 ici. Non, mais moi je te dis, moi je suis mesure. Hein. J'ai également... Bon, on va laisser Aïcha... Aïcha a fait les galipettes avec le prophète, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Prends toi-même coche. Oui. Non, c'est grave. Pour moi, c'est important. Je veux voir. Ah, je veux voir. Alors les références. C'est très important alors. Pour moi, je veux voir. Si tu fais une déclaration, moi, quand un koufar fait une déclaration, moi, je vérifie. Je vais vraiment vérifier pour voir quel est le problème. Qu'est-ce que tu veux nous montrer par là? C'est quoi le problème? Parce que tu insistes dessus. Je te dis, mais je ne vois pas le problème. Toi, tu dis. Donc, il faut qu'on sache. Il faut qu'on montre devant tout le monde. Il y a le problème, hein? Il y a le problème. On descend au fur et à mesure. C'est quoi le problème? Attends, il faut nous montrer d'abord la source. T'as tiré ça d'où? Parce que voilà, voilà 229 ici. Voilà deuxième livre, 229 ici. Mais je ne sais pas de quel 229 toi tu parles encore. Ce sont les hadiths d'Al-Bukhari. Oui, c'est Bukhari. Attends, regarde. Voilà, Al-Bukhari. Ça, c'est tome 4. Attends, page 229. Regarde ici. Page 229. Après, je ferme. Il y a tome 1. Regarde, tome 1, page 229. Je ne te vois plus, Ismaël, là, on ne te voit plus, là. Non, j'ai ramassé ma caméra. Vous me voyez ici? Oui, on te voit. Voilà. Ah, moi, je ne le vois pas, c'est quoi le bizarre? Donc, du coup, là, ta référence, là, je ne la retrouve pas. Mais je ne sais pas faire des recherches, je tape même sur Internet, je ne sais pas où tu prends note. Bon, bref. Bon, on va laisser ça, hein. Ciao, pardon, donne-moi boîtier. Pardon. Aka, mon frère, ce hadith, il existe comme quoi la vérité est injuste, mais il existe ce hadith. Tu vois? Maintenant, une chose, comme ça on va construire le sujet. Rasulullah, alayhi salatu wa sallam, avait 4 filles. On a pas bien donné la référence, peut-être. Oui. Il avait 4 filles, le prophète. Il avait Ruqayya, il avait Kalthoum. Il avait Mohamed Fatima et la quatrième c'était Faswa, du prophète. Il faut savoir, il faut regarder à quel âge le prophète alayhi salatu wa salam a marié les 4 filles. De toute façon, le prophète il est censé nous donner l'exemple avec ses filles, qu'il est le père de famille, donc le responsable de ses filles. C'est lui qui les marie. À quel âge il a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous savez que la plus jeune d'entre elles, de ces 4, elle s'est mariée à plus de 20 ans. Oui, c'est vrai. C'est trop intime, quoi. À plus de 21 ans. Les 4, plus de 21 ans. Comment ça se fait que tu ne les as pas mariés à 6 ans? Le cœur. Parce que le hadith, il est mal compris. Parce que Aïcha parle de 6 ans après la Hijra, 9 ans après la Hijra, l'an 0, la référence islamique. Avant ça, il n'y a pas de date. Téma, ça, on va laisser parce que tu sais qu'on nous, on n'est pas déjà d'accord que vous ayez 4, 6, 8, 10 femmes. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, on va laisser ce côté de prophète à 4 femmes, à 1000 femmes. C'est pas de problème. Attends, toi, tu n'es pas d'accord ou bien Dieu n'est pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, sinon, Dieu, il est d'accord. Par rapport aux 4 femmes. C'est votre Dieu qui est d'accord? Votre Dieu qui est d'accord. Par rapport aux 4 femmes, écoute s'il te plaît, Par rapport aux 4 femmes, Allah Azzawajal nous autorise de nous marier avec 4 femmes. Mais il nous dit, sachez que vous ne serez pas équitable vis-à-vis de ces 4 femmes de la même façon. Et qu'il est préférable pour vous de vous marier qu'avec une seule femme. Pour ne pas être injuste. Ah, il a dit ça pour finir. Oui, c'est dans le Coran. Ah, mais pour finir, il a été ingénieux, là. Il a été ingénieux, là. C'est le Coran. Tu es autorisé à prendre 4 femmes, tu as l'autorisation. Mais sache que, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla te dit, sache que si tu prends 4 femmes, tu ne seras jamais autant juste avec une qu'avec les autres. Et qu'il est préférable pour toi, pour pas. On n'a qu'à soustraire tout cela. C'est clair. Vous n'avez jamais respecté ça, hein? Pardon? Vous n'avez jamais respecté la dernière partie, hein? Non, je respecte mon frère, je me suis marié avec une femme. T'as rien pour le problème. Moi, jamais respecté la dernière partie de rester avec le problème. Attendez. Moi, je vous disais, mon frère musulman, 2 milliards. Téma, calme-toi. Téma, attends. Est-ce que dans la Bible, ils l'ont dit d'épouser une seule femme? Est-ce que moi, j'ai dit ça? Abraham? Faut pas comparer, on parle d'autre chose. En fait, le problème, c'est que j'ai dit, nous, on n'a aucun problème avec nos textes. C'est vous qui refusez vos textes. J'ai dit, non. Attends, je parle. Ismaël, tu aimes trop faire des comparaisons. Si on est sur le sujet, on finit. Oui, c'est la même chose. Tu compares tout le temps. Juste pour nous donner tort. J'ai comparé quoi? Parce qu'à quel moment Jésus nous a dit prenez 4 femmes ou bien si vous n'arrivez pas à assumer, prenez un. Il n'a rien dit. Il a donné la largesse. Comme il a toujours fait. Je veux savoir, est-ce que Jésus lui-même il était marié? Non, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. J'ai entendu. Il n'était pas marié? Donc, pourquoi toi tu t'es marié maintenant? S'il n'a pas parlé de ça, pourquoi toi tu t'es marié? Ah, parce qu'il nous a donné la largesse de faire ce qu'on veut. Non, il faut rester célibataire comme ton maître. Reste célibataire comme ton maître Jésus. Non, je ne vais pas rester célibataire comme lui. Ah, donc parce que c'est le même qui allait dire d'aller nous proliférer, d'aller nous reproduire. Regardez le vœu de chasteté, ce qui fait. Oui. Non, ce débat de femmes là, ça c'est votre problème. Nous on n'est pas dedans. Il faut laisser ça là. Ça de quatre femmes, nous on n'est pas dedans. Allez, s'il vous plaît. Revenons au sujet de départ, Ismaël, c'est mieux. C'est mieux. Vous pensez que nous, les musulmans, on va refuser quelque chose? Nous, on ne refuse rien de nos textes. Non, 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 revenons au sujet de départ. On dit non, c'est que Dieu a dit là, c'est ça qui est vrai. Si Dieu dit on va prendre 4, si on sait qu'on ne serait pas juste, on va prendre une seule femme, mais on prend, tranquille. Donc, au moins, c'est le seul livre, le Coran, qui dit de prendre une seule femme. Le seul livre qui dit prenez une seule femme, c'est le Coran. Ismaël, c'est mieux de donner au fait ce qui sera bien. Allô? Oui, allô? Bon, je vais descendre, je vais dans le sommeil là. Donc, je travaille demain très tôt. Pas déjà mourir dans ça là. Tu n'as pas encore cru en la puis c'est toi qui aimes dormir. Avant que tu parles, vite fait, grande famille, écoute ça. Tu n'es pas encore musulman, tu aimes dormir. Faut t'amuser, hein. Quand tu as resté dans le sommeil là-bas là. C'est fini. Écoute ça. Attends, écoute ça. C'est par rapport aux chrétiens, écoute bien. Donc, vous dites que Jésus, il est mort et qu'il a ressuscité. Donc, quand il a ressuscité? Il a ressuscité en esprit. On est d'accord? Il a ressuscité en esprit. Il était plus cher. C'était plus de la chair. C'était un esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Oui. Que vous appelez le Saint-Esprit. Maintenant, après sa résurrection, sachant que les apôtres avaient entendu que Jésus s'était fait crucifier et qu'ils étaient tristes, il a réapparu devant eux. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne leur a pas demandé de lui servir à manger et à boire. Comment un esprit peut demander à boire et à manger? Parce que c'est le Christ. Justement. Parce que c'est le Christ. Ça, parce que c'est le Christ. C'est lui seul qui peut faire ça. Et on ne peut pas vous obliger à croire. C'est ça le problème. Ne parle pas de... On n'est pas là pour vous obliger à croire ça. On n'est pas là pour vous obliger à croire. Non. On n'est pas là pour vous obliger à croire. Ça c'est le Christ. La véracité du Christ. Il n'y a pas d'obligation ici. Attends, je vais lui lire Apocalypse. Il va comprendre quelque chose. Attends, Apocalypse. Mais en fait, nous, on n'est pas là pour vous convertir. Hein. Ah non, c'est juste pour vous ouvrir les esprits. Parce que vos esprits sont étriqués. C'est des fidèles là. Nous, c'est les fidèles là qui nous intéressent. Ceux qui vont dans vos églises là, ceux qui nous intéressent. Voilà, s'ils ont compris la vérité, au moins, ça va les... Voilà. Alors, comment il s'appelle? Téma. Mute un peu vos micros là, parce qu'il y a trop de bruit. Attends, je mute chacun. Je mute chacun. On dit de muter, on n'a pas dit de couper caméra. Quand qui active ta caméra, s'il te plaît? Alors, mutez vos micros. Quand nous, on vous dit que Jésus-Christ est Dieu, là, c'est vérifié et certifié. D'accord? Activez votre caméra. Parce que Dieu, c'est quelqu'un. Nous, on ne limite pas notre Dieu. Si vous, votre Dieu ne peut pas faire, ça, c'est votre problème. Regarde un peu dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 5. Je vais te lire 2 chapitres. Jean dit, du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et devant le trône, Jean, devant lui, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc ici, dans ce verset, on voit que Dieu a déjà 7 esprits. Maintenant, quand on prend dans le même livre de Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 6. Matthieu, active ta caméra, s'il te plaît. Jean dit, puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par la terre. Tu vois? Maintenant, ici, là, comme on dit que Dieu, il se dédouble de nature. Déjà, t'es mal. Je vais te poser une question. Pour toi, c'est quoi un agneau? C'est quoi? Déjà, un agneau, c'est quoi? C'est un mouton. C'est un bébé de mouton. Exactement. Donc, L'agneau ici est bébé de mouton. Maintenant, est-ce que tu as déjà vu un bébé de mouton qui a 7 cornes et 7 yeux? Ouais, mais tu es dans l'Apocalypse, wesh. Tu es dans l'Apocalypse. Non, attends, est-ce que tu as déjà vu ça? Oui, mais c'est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, là, tu sais, c'est quoi? Non, je n'ai pas dit ça, que c'est pas dans l'Apocalypse. J'ai dit, humainement parlant, est-ce que c'est possible? Que un avoir 7 cornes et 7 yeux? C'est dans l'Apocalypse, tu peux trouver ça. Sinon, humainement, tu peux pas trouver ça. C'est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, là, c'est le truc de Saïfa. Tu connais les chaînes là, non? Même nous, on a aussi la daba, Abaka. Nous aussi, on a la daba, une bête qui va commencer à parler aux gens. Tu vois? Est-ce que c'est possible qu'une bête parle aux gens? Non, mais c'est prophétique. C'est une prophétie qui va se passer dans la fin des temps. Tu vois? On parle pas de choses normaux de plus. Tu es dans l'Apocalypse. Apocalypse, c'est comme Saïfa. Il y a le moment où tu vois télévision en train de marcher seul, ou tu vois mouton en train de danser sous glou. C'est là-bas que tu peux voir le truc qu'on a. Il dit télévision en train de marcher seul. C'est dans l'Apocalypse, mon frère. Pour dire que quoi? Ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, il a dit, si Jésus-Christ est Dieu, il est esprit, quand il s'est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Et Jésus a dit à ses disciples, donnez-moi à boire et à manger. Voilà. Ce qui était possible aux hommes, c'est possible à Dieu. D'accord? Même si selon vous, que c'est pas possible que Jésus-Christ soit Dieu, mais il est ressuscité en tant qu'esprit, elle n'a pas corps, n'a pas tout en Jésus-Christ, il révèle toute cette matière de divine. Donc, pour lui, ce n'est pas possible qu'il puisse boire et manger. Mais c'est possible. Grande famille, montre-moi un passage qui parle du Saint-Esprit en train de se nourrir, ou d'un esprit qui se nourrit de nourriture humaine. Hein, Jésus? Un instant. Hein? Mais il n'est pas esprit, il était homme. Il était sur terre, comme vous dites. Il était homme, et donc c'était une enveloppe comme les hommes, et donc il s'est montré à l'image des hommes, etc., etc. Et donc il faisait ses besoins, il se nourrissait, comme tous les hommes, n'est-ce pas? Mais quand il est mort, il a été crucifié, là. C'est devenu un esprit, c'est plus un homme. On parle du côté divin de Jésus à ce moment-là. Comment un côté divin là, peut demander du poisson là, et de l'eau là? J'ai une question. Parce que c'est le Christ, c'est lui seul qui peut faire ça. Ta question nous fatigue. Ta réponse nous fatigue. Parce que c'est le Christ, c'est banal, pardon. Ben oui, ça dépasse ton entendement. Donc il faut dire ça, il faut dire que ça demande ton entendement. C'est tout. On va te comprendre. Par exemple, Jibril, il n'a pas besoin de se nourrir. Ça dépend de ta compréhension, tu nous dis, c'est simple. On sait que c'est le Christ, mais on te demande pourquoi. Parce que c'est le Christ. Il n'y a pas à justifier. Il n'y a pas à justifier. Toi, tu peux me dire pourquoi l'eau est blanche. Tu peux me justifier pourquoi l'eau est blanche. Voilà. Hein? Dis-moi pourquoi l'eau est blanche. Pourquoi l'eau est blanche? Et l'air qu'on respire, on ne le voit pas. Pourquoi l'air qu'on respire, on ne le voit pas? Parce que c'est le Christ. Dieu nous explique qu'il est, qu'il ne change pas de forme, qu'il est le celui qui ne va pas aux toilettes, celui qui n'a pas besoin de têter le sein d'une femme. Tu vois, ça, c'est Dieu. Celui qui n'a pas besoin d'aller têter le sein d'une femme et après se faire nettoyer par sa maman. Ok, t'es mal. Donne-nous le verset où Jésus est ressuscité et puis il a mangé la bière de ses disciples. Donne-nous le verset. Après sa mort, il a rencontré les apôtres. Tu n'as pas de mémoire. Les apôtres, ils étaient bouche bée là. Parce qu'ils s'attendaient à... Bon, Ismaël, on revient à ton sujet, c'est mieux. Là, il leur demande d'abord à manger. C'est mieux. Sinon... Donc, Jésus est ressuscité, il a demandé à boire, à manger à ses disciples. Oui, ouais, tiens, chef. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais donnons les versets, donnons en ligne, parce que Ismaël a dit ici. Attendez, Ismaël a dit. Attends. Et si je le trouve? Attends, autrefois, Ismaël a dit ici que Jésus a dit. Celui qui laisse sa femme à cause de moi aura plus de 100 000 tentatives de femmes dans le ciel. Et donc le verset va lire. Lorsqu'on a lu là, c'est parce que le verset dit, Jésus aussi dit, celui qui laisse son père aura plus de 100 000 fois. Ne me fais pas passer pour un menteur. Ah non. On va faire pas. Attends. Attends, relis le verset. Tu peux relire? Lequel? Le verset que j'ai donné qui parle de centuple là, tu peux le relire? Dans le verset, je l'ai plus en tête. Non, mais t'as oublié le verset déjà. Je l'ai plus en tête. Mais il y a ça, le verset parle de quoi? Donc, notamment le verset. Attends, Jean combien déjà là? Attends. Donc là, Matthieu, tu ne parles pas. Donc frère Matthieu. Bon, comme il ne veut pas parler, je veux. Attends, je vais aller allumer mon PC. Hein. Je vais allumer mon PC, comme ça je lis sur le verset. Ah. Toi, tu ne parles pas. Il faut aller dans Matthieu 19, 29, pardon, j'avais oublié. Matthieu 19, 29. Matthieu, tu n'as rien à dire. Matthieu 19, 29. Voilà. Écoutez bien, on va lire où Ismaël a dit que c'est lui qui abandonne, qui laisse sa femme, aura 100 000 femmes au ciel là-bas, ou des centimes de femmes. Non, 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 répète mes propos. J'ai dit, non, j'ai pas dit 100 000 femmes. Non, écoute, tu as dit. Au centuple. Attends, tu as dit, nous les musulmans, on aura 70 femmes, 70 vierges au paradis. Et que c'est dans le Coran. Il dit non. Faut me montrer dans le Coran, ça n'existe pas. Ils ont mis 70. Mais j'ai dit, oui, si tu vas dans les hadiths prophétiques, oui, c'est 70. Et ça a été promis à des personnes bien spécifiques, pas à tous les musulmans. Et que moi, je trouve que 70, là, c'est petit même. Si on peut me donner 100, moi, ça m'arrange. Il y a une qui doit faire mes cheveux, mes ongles, mes pieds, tout ça là. Moi, je dis, même si c'est 100 même là, moi, j'ai besoin de 100. Comme pour Jésus, tu as dit que... Il a dit, mais est-ce que dans la Bible aussi, là, cette même promesse là, d'avoir plus au paradis, là, ça existe. Jésus a parlé de ça. Tu as dit, quel est le verset? J'ai dit, il faut lire Matthieu 19, verset 29. Il faut lire. Il faut lire devant tout le monde. Il faut lire. Sinon, il n'y a pas dit que on va lire le verset. On va lire. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Écoutez le verset. Hein. Matthieu 19, 29. Jésus dit, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Maintenant, oui? Sa femme, là, il recevra le centuple, ça veut dire quoi? Faut expliquer aux gens. Donc, tout ce qu'il a demandé, c'est ça. Il dit, il faut expliquer. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit, donc, explique. Quand on dit, tu vas recevoir ta femme au centuple, ça veut dire quoi? Maintenant. Explique. Ah, je vais expliquer maintenant. Moi, selon toi. C'est femme. Ah, attends, mais est-ce que dans le verset là, on n'a pas juste de femme? On a parlé des frères, on a parlé de sa mère, on a parlé de son papa. Donc, il aura aussi 100 000 dans 100 000. Oui, mais pourquoi tu prends que la femme? Pourquoi tu prends que le mot femme? Il a cité plein de choses. Attends, il a tiré photo d'abord, voilà. C'est une star. Et puis il a tiré photo, maintenant il vient à vous maintenant. Il a cité plein de choses, mais pourquoi tu prends que le mot femme? Attends, moi j'ai choisi dedans, non? Puisqu'il a cité beaucoup. Non. Pourquoi tu choisis? Pourquoi tu choisis? Oui. Non. Ulrich. Si vous voulez m'écouter, faut m'écouter. Faut parler sur. Je dis bien. Le sujet c'était sur les femmes. Voilà pourquoi j'ai pris le sujet, pris précisément les femmes dedans. Si on ne parlait pas des femmes, il n'y allait pas prendre les femmes. Non, il ne faut pas faire ça. On dit un verset. Non, attends. Toi, tu dis que les musulmans auront 70 femmes. Donc, c'est Sarah, c'est un paradis qui est un peu charnel. C'est un peu du bordel là-bas, en un mot. Je te dis, maintenant, quand Jésus dit, quiconque laisse sa femme aura au centuple. Il faut expliquer aux gens, ça veut dire quoi? Il t'a pas dit que... Il faut expliquer. Pourquoi tu peux expliquer ça? Explique la partie là seulement. Quiconque laisse sa femme aura au centuple. Ça veut dire quoi? Pardon, explique-nous, ça veut dire quoi? D'accord. Si tu as bien expliqué ça là, tu vas comprendre le message du Coran aussi. Tu vas comprendre le Coran vite. Faut expliquer, grande famille, on t'écoute. Quiconque laisse sa femme aura au centuple. Ça veut dire quoi? Explique ça. Alors, je vais expliquer, d'accord? On t'écoute. On va remonter un peu au verset, un peu là-haut pour comprendre. Alors, du coup, le verset 20. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. puis viens et suis-moi. Lorsque le jeune homme entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de grands biens. Beaucoup de biens, c'est-à-dire des voitures, des maisons, des plantations, des champs, il avait beaucoup de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Quand les disciples entendirent cela, il fut très étonné et se dit, « Qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre prit la parole et dit, écoutez ce que Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Voilà maintenant le verset 29. « Je vous l'ai dit en vérité, le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres recevra au centuple en héritage la vie éternelle. Recevra au centuple en héritage la vie éternelle. Amen. Bien des premiers seront, bien des premiers seront les derniers, et bien les derniers seront les premiers. C'est-à-dire les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Ici, on ne parle pas, Jésus, bon, quand tu as pris juste les femmes, Jésus ne dit pas si que, au dernier temps là-bas, comme vous m'avez quitté tout ça, vous aurez 100, le centuple de femmes. Non, c'est pas ça. Ou bien vous aurez 100, qu'on appelle au centuple de pères. Non, c'est pas ça. Il parle ici des choses de la vie. Grande famille, j'ai une question. J'ai une question pour DDR. Non, attendez. DDR. Non, attends d'abord. Grande famille, tu as fini d'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu as fini d'expliquer? J'ai fini. Tu as dit quoi par là? Il y a son papa, on ne peut pas oublier. J'ai dit, hein. Tout ce que tu as fait là, tu n'as pas encore répondu à ma question. J'ai dit, on dit quiconque laisse sa femme recevra au centuple. Je veux savoir, ça veut dire quoi? Celui qui laisse sa femme et puis va recevoir au centuple là. La partie là même veut dire quoi? C'est tout ce que tu as demandé, hein. Alors, moi, je vais te répondre. Alors, ce qu'il faut comprendre... Attendez, je lis le verset d'un abonné. Attends, lis le verset encore. Non, non, attends. Doucement. Aïe, mais c'est la parole de Dieu, on lit, mon frère. Reste autour de notre livre. Doucement. Matthieu 22, 30, Jésus a dit, « En effet, à la résurrection, les hommes ou les femmes ne se marieront pas, mais ils seront changés comme des anges dans le ciel. » Voilà le verset du frère qui dit que de l'île. Maintenant, comme tu as dit, si Jésus-Christ dit, laisse ça, moi j'ai compris ce verset-là. Il y en a deux dedans déjà. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ah, c'est pas de ma faute. Ce verset, quoi? On dit à la résurrection, ils ont dit au paradis. On dit à la résurrection, est-ce que la résurrection, c'est le paradis? Quand on va grande famille, voilà comment je vais répondre. Grande famille, alors, un homme qui va laisser sa femme pour avoir le centuple, ça veut dire quoi? Tu n'as pas encore expliqué ça, hein? Alors, donc, moi, je réponds. Dans un homme qui laisse son père là, pour avoir le centuple, ça veut dire quoi? Donc, il aura centuple de père aussi. Non, donc, mais c'est quoi le verset? C'est quoi le verset? Il ne peut pas répondre à ma question. Ça veut dire, tu vois que tu ne peux pas répondre à ma question. Bref, on laisse tomber, on passe dessus. Alors, je vais répondre en disant ceci. Il faut non, avant de poser la question, je vais répondre, apporter une réponse à ta question. Bon, qu'elle te plaise ou pas, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que, admettons que ce que tu dis soit vrai. C'est-à-dire que d'après ce que tu interprètes, oui, c'est vrai. Maintenant, je te pose aussi la question, à l'intérieur, on a cité les terres. Donc, il y aura 1000 terres là-bas au ciel. D'abord, ils n'ont pas dit 1000, ils ont dit 100. Oui, est-ce que les terres, ce que tu dis est vrai, admettons que ça soit vrai. On prend élément par élément. J'aurai 100 femmes au ciel. Les terres aussi, j'aurai 100 terres au ciel. Oui, ça fait quoi si tu as 100 terres? C'est possible d'avoir 100 terres. Sur la terre, je parle au ciel. Non, je parle au ciel. Sur la terre, il y a des gens qui ont 100 terres. Maintenant, toi, tu crois ton problème au ciel? Mais ton verset, quand toi tu parles de la femme, est-ce que tu parles de la terre? Mais laisse-moi répondre. Tu me demandes si on peut avoir 100 terres. Oui, on peut avoir 100 terres. Non, pas du ciel, non? Le verset est adapté au ciel, non? Oui, mais non, pas de terre aussi, non? Écoute aussi, c'est français. On parle de terre, non? Alors, j'ai dit bien, de la manière, okay, vous attaquez les musulmans. Bon, toi, tu n'es pas... De la manière, vous pensez que... Vous, quand vous lisez les textes musulmans, vous ne voulez pas faire l'effort des réflexions. C'est dedans aussi je suis. C'est dans le même état que je suis. Faut pas faire ça, hein? Ah, faut pas y faire. Non, c'est pas bon. Vous lisez les textes du Coran, vous lisez les textes musulmans, et puis vous bornez votre... Vous ne voulez plus aller au-delà de la réflexion. Vous voulez rester là. Ah, littéralement, oui. vous avez vu littéralement, vous comprenez littéralement. C'est pareil pour la divinité de Jésus-Christ. Allez aussi au-delà. Ne restez pas sur la chair de Jésus. Allez aussi au-delà. Tu n'as rien prouvé. Depuis, ça fait des siècles que tu es dedans, tu n'as rien prouvé. Il t'a demandé ton verset. Toi, il t'a pris. Il t'a demandé ton verset le plus convaincant, qui te convainc que Jésus est Dieu. Tu as testé 1 Jean 5,20. Qu'est-ce qu'on a fait? Okay. On t'a réfuté avec 1 Jean 5,20. On t'a réfuté ça. Comment ça réfuté? Mais c'est la vérité. Mais c'est vous qui avez réfuté parce que ça ne vous arrange pas. On a donné plusieurs versets pour te réfuter. Quel plusieurs versets? Laisse tomber. Alors, moi, je donne un verset. Je pose maintenant ma question. Puisqu'en descendant, avant que ça ne bug, j'avais donné un verset. Et donc, je vais continuer. Merci, Gédéon, pour le temps sur le sujet de la divinité. Déjà, j'ai prendre Colossiens 1.15. Colossiens 1.15, encore pour venir ici. Toi, tu aimes ça, donc merci, Gédéon. Je tiens déjà à féliciter tous les chrétiens. Vous êtes sur le bon chemin. Oui. Jésus est le Seigneur. Alors, donc, la question que je m'étais posée, qu'on s'était posée avant que je ne bug, c'était celle de savoir... Aucun de nous ne peut avoir la vérité, ok, puisque nous sommes humains. Posons la question à Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu dit de son fils? C'était ça ma question, avant que je ne descende. Maintenant, ceux qui ont la science infuse pourront interpréter, mais écoutons un peu ce que Dieu dit lui-même de son fils. Dieu, attends, le Dieu qui dit là, c'est qui? Ok. Tu me poses encore la question. T'as vu, non? Tu poses une base qui te condamne déjà. Écoutons ce que Dieu dit de son fils. Écoutons ce que Dieu dit de son fils. Le Dieu qui dit de son fils, c'est qui? Je n'ai même pas encore terminé, non? Tu as montré que Jésus, Dieu a dit à son fils qu'il est Dieu, non? Maintenant, le Dieu qui a dit à son fils, c'est qui? Tu as déjà peur, je n'ai même pas encore continué. T'as peur? Mais laisse-moi terminer. Ouais, écoutons, non? Tu n'as pas de compte. Déjà, ta phrase là, t'as condamné. Tu dis le Dieu, écoutons ce que Dieu dit à son fils. Ismaël, tu es formidable. C'est quel Dieu qui parle là? C'est quel Dieu qui dit à son fils? C'est quel? Comment il s'appelle? Au début, je t'ai dit ceci, parce qu'il y a un truc que tu ne veux pas comprendre, je ne sais pas trop. Je t'ai dit que Dieu, c'est le nom des personnes. Ok? Il y a ce qu'on appelle, on adore celui qu'on appelle, comment on appelle, Elohim. Le Elohim, Dieu pluriel en trois. Ok? Elohim, c'est qui? Pardon. Laisse-moi t'expliquer, je t'explique. Moi, je suis chrétien, je t'explique. Je ne suis pas là que tu sois d'accord ou pas. Ok? Vas-y, frère, on a besoin des explications. Laisse-moi t'expliquer. Le Dieu pluriel en trois. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a la Trinité. Alors, toi qui me parles là, c'est difficile à comprendre, mais je vais quand même t'expliquer, ok? Toi qui parles et toi que je vois, je ne pense pas que c'est deux personnes que je vois. Okay? Il y a ton esprit, il y a ton corps, il y a ta voix. Ça fait toujours Ismaël ou DDR. Donc, je t'ai dit, par exemple, nous sommes trois, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes 5 ici. On a beaucoup de choses en commun. Il y a des choses qui nous séparent, mais on a une chose en commun ici, c'est qu'on partage la nature humaine. Voyez un peu. Jésus est Dieu. Maintenant, je vous prouve ça. C'est parce que vous, les musulmans, quand on dit que Jésus est Dieu, ok, vous pensez qu'on dit que Jésus est le Père. Vous voyez un peu le problème? C'est ce que vous pensez. Mais lorsqu'on vous dit... Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Mais lorsqu'on vous dit... Non, non, je termine. Mais lorsqu'on vous dit que l'ordre, ok, du royaume des cieux aimerait que, comme Jésus l'a dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils. Jésus n'est pas le Père. Mais écoute, non? Écoute, je sais là où tu vas en venir. Non, vous ne comprenez pas ce que nous on dit. Nous, quand on parle, quand vous dites que Jésus est Dieu, là, nous on pense au Créateur des cieux et de la terre. Est-ce que c'est lui? Mais là, je sais là où je vais. Je réponds à ta question, non? Je réponds à ta question. Lui qui est là, lui qui est en bas, il n'a qu'à répondre. Nous, là, quand on vous dit que Jésus est Dieu, là, voilà ce à quoi on pense. On pense à celui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que les hommes. Est-ce que c'est Jésus? Mais c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, qui est le Père là maintenant? Le Père, lui, il a fait quoi? C'est pourquoi je suis en train de t'expliquer, tu ne veux pas comprendre. Si c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre, le Père, il a créé quoi? Et qui est bon, néanmoins, disons... En fait, je veux t'expliquer. Jésus fait partie de Dieu. Jésus fait partie de Dieu. Jésus fait partie de Dieu. L'Esprit Saint fait partie de Dieu. C'est ça. Délème, s'il vous plaît. Abraham, grand famille, est-ce que tu peux d'abord prendre mon verset avant qu'on entre un peu? Hébreu, tu peux prendre Hébreu? Voilà. C'est pas les messieurs. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Non, laisse-moi au moins lire, non? Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui peuvent peut-être relever. Faut lire. C'est là, il faut lire. Oh oui, laisse-moi lire. Hébreu chapitre 1. Ça veut dire qu'il a esquivé ma question, il a esquivé ma question. Non. Je n'ai pas esquivé ta question. Je n'ai pas esquivé ta question. Lisons d'abord. Jésus a déjà créé les cieux et la terre. Le Père, il a créé quoi? Si Jésus a déjà créé les cieux et la terre. DDR, vous allez remarquer, quand vous parlez, moi, je suis mieux. Hein? Okay. J'aime bien écouter. Il n'y a pas de souci. J'ai voulu expliquer, je ne peux pas m'interrompre. Donc, on lit d'abord mon texte. Écoutez. On lit le texte. Hébreu. Chapitre 1, allons à partir du verset 7. On va voir le statut de tout un chacun. 7. Voilà. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Merci. Maintenant, il fait quoi de Jésus? Allons. Verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Donc, si je comprends bien, d'après ce que tu as lu, on a un Dieu qui appelle un autre Dieu. C'est d'après le texte que tu as lu, hein? Exactement. Ça, non? D'après le texte que tu as lu, on a Dieu, créateur, qui appelle le Fils Dieu. Il dit quoi au créateur? Il dit quoi au Fils qui est Dieu? Mais Dieu son trône est éternel. Son trône, oh Dieu, est éternel, une flamme de feu. Voilà. Je vais chercher je vais prendre un truc parallèle. Par humilité. Parce que si on discute, vous n'avez pas... Oh là là. Vas-y, Ismaël, après, il va parler. Non, c'est son live. Vas-y, explique-nous le verset. Vas-y. Laisse, il va se taire, c'est mon frère. Vas-y, continue, mon frère. Vas-y, Elvis. Bon, il bug tout seul. Non, il est descendu. Parce que moi, quand je parle, quand vous parlez, moi, je coupe le micro. Hein. Je coupe 20 minutes. Oui, donc, mais Ulrich, ton micro. Jim, ton micro. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Si ma vérité te fait mal... Vous n'avez pas le niveau, désolé. Oui, mais laisse-moi au moins terminer, non? Parce que bon, là, c'est... Non, mais regarde, on entend de se répéter. Il reste le micro, tu sais pas où on coupe le micro. On ne se répète pas. Moi, je vous écoute quand vous parlez. Je vais te donner la parole. Ok, bon, comme tu veux la parole, explique-moi Dieu qui appelle le Fils Dieu. Ismaël, je t'entends pas. Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Moi, je l'entends, Ah, moi, je l'entends pas. Tu m'entends pas? Bah, attendez, tout le monde m'entend maintenant? Moi, je m'entends maintenant. Bon, Ulrich aussi, je ne l'entends pas. Donc, j'entends Elvis. Bon, je crois peut-être qu'il est l'heure pour moi que je descende parce que là, j'entends pas. Moi aussi, je vais descendre. Ouais, Elvis. Voilà. Richard, toi. Oui, parce que moi j'ai envie de parler, tu me coupes la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? On a Dieu qui appelle son Fils Dieu. Vas-y, explique-nous ça. Comment tu comprends ça? Non, vas-y, il faut parler. Si tu finis, j'ai répondu. Non, c'est bon, vas-y. Moi j'ai fini. Explique-nous ça. Ok, je réponds. Allah qui prie sur le prophète Mohammed en appliquant le sujet nous. Tu vois, du coup, ça revient au même. C'est comme si Allah, il dit nous et les anges, mais il n'a pas dit Allah. Il a dit, nous et les anges, nous prions sur le prophète Mohammed. Et c'est dans le Coran. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi Dieu, en fait, Allah, il attribue le sujet nous. Alors que c'est un Dieu tout-puissant. Ça aussi, j'ai pas compris. Il y a aussi dans le Coran, aussi, il y a l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. Jean qui a révélé à Marie que voilà, il va enfanter un fils qu'on va l'appeler Jésus, Issa, tu vois. Et dans un autre verset, on voit des anges. Et j'ai jamais compris ça aussi. C'est dans le Coran. Okay. Et dans le Coran aussi, il y a Dieu, c'est écrit aussi que Dieu a une main. La main droite de Dieu. Et ça, si je n'ai pas compris. Donc, il y a des questions aussi que moi, je ne comprends pas, mais bon. Là, on est sur le sujet, là, du coup, voilà, on y va. Merci pour le verset que tu montres à l'appui. Si le frère, avant que je ne poursuive pour donner un verset parallèle, si le frère DDA peut expliquer, puisque je vois qu'il veut parler. DDA, vas-y, moi, j'aime pas trop me poser la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce verset-là? C'est bien. Pardon, Khalil, pardon, faut venir m'aider, je suis fatigué, pardon. Venez m'aider, je vais expliquer ce verset-là en quelques minutes. Ok. D'abord, l'appellation Dieu a été donnée même aux créatures, même aux humains. Voilà pourquoi dans Jean, regarde, tu boudes déjà, tu boudes. Non, il y a Dieu, grand D majuscule, il y a aussi D minuscule, donc il y a une différence. C'est Dieu. Oui, il y a une différence. Donc tous les grands D sont pour Dieu. Grand D, c'est Dieu le Tout-Puissant. D'accord, il faut prendre Exode chapitre 7, verset 1. On va voir. Attends, doucement. Il a fait une affirmation. Non, ça c'est une autre porte que tu ouvres. Je vais répondre à ta question. Non, tu ouvres notre porte. Tu stresses. Tu stresses. Je ne stresse pas. Je ne stresse pas. Tu ouvres notre porte. Finis d'abord avec moi ici. Ce n'est pas une autre porte. C'est vous qui avez ouvert une autre porte. Non. Moi, j'ai ouvert la porte là. Celle-là. Voilà. Faut activer ta caméra, s'il te plaît. Et puis, Allemand le noir, activez votre caméra. Les autres combien tu as dit? 7, verset 1. Je vais répondre à ça, je reviens. Quand on va finir de regarder Esos 7, verset 1, je reviens pour répondre à Hébreu 10. Hébreu 1, plutôt. Esos 7, verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est ça? Et ça veut dire quoi là-bas? Ah, mais pourquoi il ferme sa caméra? Pourquoi l'autre il ferme la caméra? Ah non, je parle, c'est mon truc qui fait ça. D'accord, il faut zoomer sur le Dieu là. C'est quel D? Attends, je vais mettre. Grand D. C'est grand D. Comment? C'est quel D? C'est grand D d'abord. Combien? Esos 7. C'est grand D, c'est grand D. Oui, c'est grand D. Bah oui, en fait, il y a D minuscule et D majuscule. C'est grand D. Regarde, L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Attends. Sera ton prophète. C'est grand D. Donc, oui, c'est grand D. Donc Moïse devient quoi? Tiens, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse devient quoi là-bas? Bah attends, moi je vais t'expliquer. Déjà, c'est bon, c'est une parabole. C'est une parabole. Wesh. Bah c'est une parabole. C'est bon, j'ai compris, c'est bon, pas faut te muter, c'est bon. J'ai compris, c'est une parabole. Je vais rentrer. Moi, je vais pas rentrer dans les textes originaux, etc. En grec, tout ça, je vais pas faire ça. Déjà, il faut comprendre que Dieu appelle les hommes Dieu. Et ça, même Jésus l'a dit de sa propre bouche. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 33. Quand Jésus a dit le Père et moi sommes un, que les disciples et les principaux et les gens l'ont lapidé, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Jésus lui-même a dit, n'est-il pas écrit dans la loi que vous êtes des dieux? Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 5, si je ne m'abuse, que Dieu siège, et dans Psaume 93 aussi, et Psaume 83, si je ne m'abuse, que Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Et que Paul te dit, il y a plusieurs dieux, mais néanmoins il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre, celui-là qui est le Père. Donc le mot Dieu là, à l'appellation Dieu, ne fait pas de toi une divinité créateur des cieux et de la terre. Donc quand il dit, oh Dieu, ton Dieu, on regarde, réalisons, on va lire ensemble le même hébreu que tu as lu là. Je vais te lire ça ici, tu vas voir. Hébreu chapitre 1, verset 5. On va lire ça rapidement, tu vas voir. Hébreu chapitre 1. Ok, il a dit ceci. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Puis il dit, celui qui a fait celui qui a fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie. C'est ça, non? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc je dis bien ici que ici, il y a une différence entre le Dieu qui oint et le Dieu qui a été oint. C'est une appellation. Et le Dieu qui oint ici, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Tu vois, si l'appellation Dieu pour vous fait de Jésus-Christ Dieu en tant que créateur des cieux et de la terre, c'est que Moïse aussi est Dieu et que tout le monde aussi est Dieu, parce que Dieu dit que Dieu nous-mêmes nous appelle des dieux. Donc le Dieu qui a oint quelqu'un, celui qui oint est différent de celui qui a été oint. Celui qui oint est le maître et celui à qui l'onction est donnée est le serviteur, est le sujet de celui qui oint. Voilà pourquoi dans le même Hébreu, Jésus va te dire ceci. Hébreu chapitre 10, verset 5. Écoute bien ce que Jésus dit. C'est pourquoi Christ, Jésus-Christ, entra dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'agréais ni sacrifice, ni péché. Alors j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre qu'il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus même te dit que je viens faire la volonté de Dieu. Oh Dieu, ta volonté. Donc s'il a été appelé Dieu, les anges même, et plutôt les hommes en atteint ont été appelés Dieu. Moïse est appelé Dieu avec grand D, mais cela ne fait pas d'eux les créateurs des cieux et de la terre, c'est différent. Il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a créé Moïse, qui a créé les hommes et qui a créé Jésus. Mais il s'appelle comment ce Dieu? Il s'appelle comment ce Dieu, Ismaël? Ça, si je réponds, ça sera un autre sujet. Pour nous, c'est Allah. Ok, alors... Allah, ok. Alors, j'ai écouté ton explication. Dans d'autres versets de la Bible, c'est écrit l'Éternel. Du coup, Allah, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Allah. Oui, Allah. Et maintenant, Dieu en arabe, là, c'est quoi? Comment on appelle Dieu en arabe? C'est Ilaha. 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 Du coup, c'est pas Allah. Non, Dieu ne signifie pas Allah en fait. C'est ça un peu le problème. Dieu en arabe tout court, parce que Jésus en arabe c'est Issa. Dieu en arabe. Quoi? Non, j'ai dit Jésus en arabe c'est Issa pour vous, alors que c'est Aïcha, alors que c'est Yassou. Dieu en arabe c'est Ilah et puis le nom de Dieu en arabe c'est Allah. C'est Allah. Maintenant. La révélation c'est Allah. Ah ok. Ok. Donc, ton Hébreu chapitre 1, là, ton Dieu t'a oint ne veut pas dire qu'il y avait deux dieux. Non, il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre qui a appelé l'autre Dieu. Ok, déjà, Khalil, tu vas activer ta caméra. Ton explication déjà ne tient pas la route. Voilà. Parce que si tu me dis ici, oui, tu reconnais que c'est le Dieu créateur, voilà, qui dit à Jésus, tu es Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus est Dieu. C'est une appellation, tout comme on appelle les humains des dieux, etc., etc. Ça ne tient pas la route. Alors, moi, je suis en train de partir. Je te prends l'autre verset. Zacharie. Elvis, tu sais que ici, c'est nous. Ismaël, tu sais que ici, c'est une autorité divine. C'est une autorité divine qu'on donne à Moïse. Ouais, c'est pas que Moïse c'est Dieu. T'as dit que c'est une parabole, on laisse tomber, ouais. C'est une autorité divine, c'est une parabole, c'est une autorité divine. Ok, je continue. Kali, tu viens d'arriver, laisse-moi terminer. Tu viens d'arriver, tu rentres comme ça. Parce que cela, le temps, frère. Patience. Tu vas parler, mon frère. Désolé, il va gérer le live parce que moi, je suis vraiment fatigué. Oh, moi, je descends déjà. Alors, je prends Zacharie, chapitre 3. Avec lui, tu pourras bien échanger. Moi, il est très, très malade. Non, moi, je devais partir depuis. Il devait venir depuis. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui vont monter. Salam alaikum wa rahmatullah. Ismaël, s'il te plaît, je reviens juste pour te dire, depuis toute la journée, depuis le commencement du live, j'étais suivi jusqu'à là maintenant. Là, tu es trop fatigué, ça se voit que... Voilà. Il faut que tu te reposes. On reprendra demain ou un autre jour. S'il vous plaît, les frères, je crois qu'il est temps qu'on coupe le live parce que le live a commencé, je crois, depuis 14h, depuis 15h. Ouais. Et je l'ai suivi, je suis partie à la salle de sport, je suis revenue, je l'ai suivi. Il est fatigué, le pauvre. Laissez-le, voilà. Il se repose et on reprendra si demain, s'il vous plaît. Les frères, on va faire une chose. Comme vous êtes déjà connectés, ouais. Moi, je vais muter ma caméra. Les gens peuvent monter sans caméra. Vous allez discuter. Moi, je vais plus de muter ou quoi que ce soit. Sinon, après, ça va devenir des débats. Il y a des gens qui vont monter, ils vont pas maîtriser et tout. Okay, il va laisser. De couper le live, on reprendra demain. S'il vous plaît, les frères. Il est fatigué, le pauvre. Merci, okay, merci. Ok, bon. Merci, il y a la main de Dieu dans le Coran. Bon. Oui, on parle de même, mais vous niez, vous dites non, il n'y a pas ça dans votre livre. Délème, la dame a dit, attends, on continue. Ah, effectivement. Vous prenez aussi le même argument, vous dites qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Et c'est... Bah oui. Les musulmans, ils disent qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Ils ont dit ça, il n'y a pas ça dans le Coran. Du coup, moi, je les ai dit, bah, il y a ça dans le Coran. C'est même écrit que Allah a une main droite. Bah oui. Laisse-moi. Tu as entendu comment? Ben non. Même, ils ont dit Dieu a créé. Explique-moi, Kali, explique-moi. Kali, explique-moi. On dit Dieu nous a créé. En fait, nous sommes à l'image de Dieu. Explique-moi, Kali. Ton niveau est très bas, Kali. Ton niveau est très bas. Non, dis-moi. Nous sommes à l'image de Dieu, dis-moi. Ça signifie quoi? Non, dis-moi, explique-moi. Voilà. Moi, la maman a parlé, moi j'ai compris. Hein. La maman a parlé. Attends, DDR. On poursuit ou c'est fini? Bon, en fait, comme je ne veux pas. Voilà, moi, je pas avec toi. Je n'ai pas envie de couper comme ça parce que d'autres vont dire qu'ils sont allés sans argument. Ils sont allés sans argument et sans parler en fait. Du coup, je sais pas. Parce que moi j'ai coupé parce que tu as dit qu'on écoute la merde. On va laisser tomber, hein. Je vais couper les frères, peut-être demain, Inch'Allah, on se prend, Inch'Allah. Voilà. Kali, si tu veux discuter, viens, je lance un live, viens, on va discuter. Kali, tu m'as pas répondu,